heureux homme, né sous une bonne étoile, à Argentan, ici même, où il y a presque 20 ans, ce fils de cuisinière a créé son restaurant, restaurant où la fameuse étoile est apparue en 2016. Le chef, Arnaud Viel, signe une cuisine créative, à la fois sophistiquée, esthétique, en s'appuyant sur d'excellents produits. Et cette reconnaissance, ça met en confiance. Alors, s'il conserve ses classiques... Notre grand plat, c'est l'œuf aussi. L'œuf qui est cuit 63 degrés, avec une émulsion gruyère de carouge. On a aussi le riz de veau, la pomme de riz de veau qui est laquée au miel et graines de sarrasin. Il renouvelle d'autres spécialités, entouré d'une équipe, elle aussi renouvelée. Deux recrues en cuisine, venues de deux restaurants doublement étoilés. Tant qu'à faire. L'étoile, c'est la régularité dans le travail. Le plat, il doit être tout le temps envoyé au millimètre. Pour être régulier, il faut avoir des gens sérieux. Il faut avoir des vrais cuisiniers qui ont tout compris. Et ça y va, ça envoie. Bonne équipe, bon esprit. Dans une maison d'hôtellerie-restauration qui compte aujourd'hui 17 personnes, où la fréquentation est en hausse de 25% et où on ne se raconte pas d'histoire, une étoile, c'est bon pour le moral et les affaires. On a toujours investi dans notre maison, donc la pression, on l'avait avant également l'étoile Michelin. Je dirais qu'aujourd'hui, ça conforte notre investissement et puis l'étoile pour nous, c'est qu'une récompense. Je suis tellement content de ne pas l'avoir pris avant parce qu'il faut une certaine maturité. Et puis après l'étoile, c'est quoi ? C'est une deuxième étoile, c'est plus d'étoiles, c'est quoi ? Donc je pense qu'il faut être mûr pour... C'est chouette de la désirer, bien sûr. Et puis surtout de la savourer après.